Qu'est-ce que tu fais là? Faut que je te parle de cette BD. Non, c'est trop BD. Dégage, dégage. Non, mais écoute-moi. Dégage. Mais je te jure que c'est trop bien. Faut que je te parle donc cette BD. Alors, dégage. Je veux pas savoir. C'est des crocodiles qui sont super sympas. Et en plus, non mais. Ok, bois 2, on va la faire ta BD. Ouais, ah, trop bien. Un crocodile s'en allant à la guerre disait adieu à ses petits enfants, traînant sa queue dans les femmes. Et oui, les femmes, ce soi-disant sexe faible dominé par nous, les hommes. Ah, c'est pas moi. Moi, je suis un crocodile. Justement, dans Les Crocodiles de Thomas Mathieu, les hommes sont des tortues. Non. Ce sont des crocodiles. Génial, je vais pouvoir payer des impôts et manger des zébus. Non, pas du tout. Au départ, un blog BD, Les Crocodiles est un recueil de témoignages sur le harcèlement et le sexisme ordinaire envers les femmes. Donc, tu vas harceler des femmes. Ah, faudrait déjà qu'elles aient fini la vaisselle. Par contre, les témoignages sont moins soft que ça. Attouchement dans les transports en commun, lesbophobie, violence verbale et physique, viol conjugal et autres harcèlements. Pas très marrant comme programme. Eh, ça dépend, hein. Parce que là, il y a un mec, il renverse son verre sur une meuf, et après il lui dit « Eh, je t'ai giclé dessus !» C'est drôle. Non. C'était quoi ça? À partir de maintenant, elle te reprendra à chaque fois que tu seras une insulte à l'espèce humaine. Et est-ce qu'elle peut aussi me faire un sandwich? Genre baguette, tomate, oignon, jambon, zèbre, zébu, moutarde et baguette. Que mangeons les crocodiles? Le pudding à l'arsenic. Oh oui! Ouais, mais j'aime pas le pudding. L'objectif de Thomas Mathieu avec cette BD est de choquer, de déranger, pour éveiller et sensibiliser les consciences au problème du harcèlement de rue, trop banalisé de nos jours. Et ça fonctionne très bien, voire trop bien, car après avoir bouffé 174 pages plus sordides les unes que les autres, vous aurez un peu de mal à digérer, surtout si vous êtes un homme. Car dans la BD, tous les hommes sans exception sont représentés comme des crocodiles. Même les non-agresseurs, les passants, les enfants. Tu comprends pas, cette BD c'est l'avenir. On va dominer le monde. La Coste, c'est nous. Les restos crocodiles, c'est nous. Et les brosses à dents électriques, c'est nous aussi. Pour une bonne hygiène dentaire, il est important d'avoir une brosse à dents efficace. Mais avant de dominer le monde, on a commencé par le sexe faible. Comment? Ouais, j'ai dit le sexe faible. Et alors, espèce de jeune ménagère, tu me fais pas peur? Qu'est-ce que t'as dit, tapette? Rien. Ouais, je préfère ça, baisse les yeux. Oui, monsieur. Madame. Désolé. Ça et l'accumulation de témoignages allant dans le sens unique homme-femme stigmatise la gente masculine et c'est dommage. Mais Thomas Mathieu essaye de se justifier dans un épilogue où il explique que ses récits sont racontés du point de vue des femmes, donc qu'il est normal qu'elles voient tous les hommes comme des prédateurs. À vous de voir si vous êtes d'accord. Ouais, on parle bien du mec qui a fait Bimbo versus Chaton Tueur. Ta gueule, Maltrain, ça prouve rien! Pour finir, il y a à la fin un guide très complet, regorgeant de bons conseils sur la façon de réagir en cas d'agression, que vous soyez victime, spectateur ou même crocodile. Ce BDM 22 est terminé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous avez aimé, à commenter si vous avez quelque chose à rajouter. A bientôt, les BDphiles. Salut meuf, ça va? Tu vas bien? On se présente. Mais non, tu nous connais. On est là pour te siffler, t'emmerder, sans répit et sans repos, pour te mater tes fesses, tes reins, tes hanches, tes cuisses, ton boule. On est là partout, même chez Babou, pauvre idiot. On est là partout. Lacoste, c'est nous. L'Amstrad, c'est nous. Les restos du croco, tu connais? C'est encore nous, au fond du bus. Vos gueules! Et ce soir, je veux bien m'en payer.